Bonjour, messieurs, dames. Je me présente, Bob Morris. Comme vous le savez, mon identité, mon numéro de téléphone, mon image ont été dévoilés par d'autres utilisateurs de YouTube et de Facebook et autres. Au plus grand bénéfice de ceux qui veulent me cogner dessus. De qui je parle? Je fais des tutoriels sur les femmes battues. Les hommes violents, on va les appeler les bobos la tête, me sont tous tombés dessus sur Internet, bien cachés derrière leur petit moniteur en plastique. M'ont envoyé des messages grossiers, déplacés et dégradants. Non, le vrai problème, c'est si je tombe sur un vrai bobo la tête. Vous savez, celui qui cogne sur sa bonne femme en permanence, au point de la tuer. Par vengeance, qu'il soit de mon quartier ou d'ailleurs, il risquerait de me tomber dessus à un arrêt de bus par la suite. Imaginons qu'il sorte une lame. Maintenant qu'il sait où j'habite, grâce aux internautes. Imaginons qu'il sorte une lame et qu'il me poignarde avec. Qu'est-ce que je fais? Je dis bonjour à Saint-Pierre. Vous comprenez? Il y a différents types de bobos la tête et je dois me protéger. Je suis donc dans l'obligation d'arrêter les tutoriels sur les femmes battues. J'en suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Pour ma sécurité et la sécurité de mes proches, qui a été menacé par d'autres youtubeurs. J'ai pas le choix. Faut que j'arrête. J'ai fait ce que j'ai pu comme j'ai pu, mais l'argent de la monétisation reviendra, tel que je l'ai dit, à une association de femmes battues. Je suis désolé. J'aimerais que l'équipe s'intéresse à ce qui s'est passé. Retrouve les connards qui ont dévoilé mon adresse sur Internet et les fasse foutre en tôle. Mais hélas, ça ne se fera pas. Quant à moi, je suis handicapé. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais sachez que j'ai fait ce que j'ai pu pour défendre l'intérêt des femmes et des hommes qui, une fois tous les trois jours, meurent sous le coup de leur conjoint. Conjoint en tôle ou la peine de mort, à votre humble avis? Voilà, c'était le tutoriel de Bob Morris qui signe un peu sa fin sur YouTube. Je ne réapparaîtrai que pour les CD, les DVD, j'allais dire les conneries, un peu comme les autres youtubeurs, les jeux vidéo, les conneries comme ça. Mais je suis obligé d'arrêter de parler des sujets sensibles pour ma sécurité et la sécurité de mes proches. Ça me dégoûte, mais c'est comme ça. S'il y avait eu que moi, j'aurais dit « allez vous faire foutre » et j'aurais continué les tutoriels. Mais j'ai pas envie de finir dans une ruelle en pissant le sang parce qu'un crétin du youtubeur a été cité mon adresse. À un autre crétin désireux de me faire la peau parce qu'il a réussi à moitié à sommer sa bonne femme. C'est dangereux, YouTube. Et Zazie avait raison dans sa chanson Rodéo. C'est la vie, c'est pas le paradis. Hein. Si vous êtes battu, ne restez pas seul. Il y a des institutions qui peuvent vous aider. Allez voir une assistante sociale pendant qu'il est encore temps. Si votre mari ou votre conjoint, parce que, comment dire, ça touche aussi bien les hommes que les femmes, vous cogne violemment dessus, n'hésitez pas à appeler les képis avant qu'il soit trop tard et que vous fassiez partie des statistiques. N'hésitez pas à contacter le CMP, Centre Médico-Psychologique, le plus proche de chez vous, pour avoir un suivi mental adéquat et pouvoir parler. Parler, ça aide. Parler, ça fait du bien. Agir, c'est mieux, mais parler, ça aide. Voilà, vous savez tout. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce tutoriel, si je fais ça,
C'est parce que j'ai peur qu'un bobo la tête dans mon quartier me tombe dessus. Ça peut être dangereux, un bobo la tête. Au revoir, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons, du moins d'humains. Et si vous avez un don à faire, protestataire ou autre, le pot commun vous tend les bras.